about that. Hey, hey, hey. Zeke. There you go. Thanks for the question. Zeke, local folklore. You did not say anything about I'm videoing. So, Victor and Amos, we're going to do a video here. Yeah. Bon, bah, un vieux Zach qui fait la carrière. Qui t'a adopté une résolution qui c'est résolution 2653 qui a un rapport avec un régime de sanctions pour Haïti. Et n'a pas songé projet de résolution ça, c'est un pays tant que les États-Unis qui te joué un support le Mexique qui te venu avec lui et qui ça qui te gagné dans régime des sanctions ça c'est identifier moun qui a soutenu activité criminelle yon dans pays ya moun qui a alimenté gang yon dans pays ya qui a collaborer avec Gagnon et puis j'ai laissé au gagner comme l'agent ici tant qu'à l'étranger interdit au voyager et puis prend des mesures d'embargo sur les armes et me voulait souligner ça fort pour moi contre ceux qui non seulement livré dans activité criminelle qui a soutenu activité criminelle des activités criminelles qui impliquaient les principaux groupes armés du pays. N'a pas songé dans projet de résolution ça, il était prévoit un comité des sanctions et en dans résolution ça, il était demandé secrétaire général Nations Unies pour lui créer un groupe d'experts qui prend le travail pour le compte du comité des sanctions. Et travail groupe expert ça yo c'est venir dans pays ya etc. travail avec des partenaires et puis pour arriver désigner qui est moun sa yo malfra avec sa yo criminel avec sa yo qui est entité sa yo qui répond à critère de sanctions yo en guise de rappel, madame, monsieur, critères qui étaient retenus pour sanctionner Mounio. Je dis fort Mounza lui-même, ou bien entité ça, il participait ou bien l'a soutenu la bas activité criminelle au Jaret. L'a participé dans similaire troublage, violence à travers groupe armé et puis réseau criminel dans le pays. Je le dis, faut que Mounza lui-même li ap baïbourad ak trafic illicite et puis détournement d'armes et de matériel connexe qui a un rapport avec ZAM, etc. Je dis, depuis Mounza lui-même li empêché que aide humanitaire arrive en d'un pays, depuis Mounza ou bien entité ça, lui-même l'a attaqué personnel ou bien local, mission ak opération ONU. Ou bien depuis Mounza lui-même, l'État a supporté, sous une forme ou sous une autre, des attaques, tant que ça se dit là, qui s'est attaqué sous personnel avec local mission. Eh bien, Mounza a tombé en bas sanction des Nations Unies, c'est ça que tu dit. Et c'est ça qui était retenu comme critère. Et n'a pas songé, premier monde qui était sanctionné sous régime sanction ça, c'est l'ancien policier Jimmy Cherizier alias Barbecue, le caïd de Delma 3, et on te dit que yo sanctionné M. Cherizier parce que il te commet des actes qui menaçaient la paix
la sécurité et la stabilité dans le pays d'Haïti. Yo estimé, yo te sanctionné Cherizier parce que il était planifié, il était dirigé ou bien commettre des actes malhonnêtes, criminels qui constituaient des atteintes graves aux droits humains. On se le rappelle. En octobre 2023, même Conseil de sécurité Nations Unies ça vient adopter une autre résolution qui c'est la résolution 2699 et ces résolutions ça qui était autorisé officiellement le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Et dans la résolution 2699 là, il était venu avec un paragraphe qui c'est paragraphe 14 là qui lui-même était modifié paragraphe 11 qui était dans la résolution qui était adoptée en octobre 2022 ya. Et qui vient faire qui ça au lieu que yo te kembe embargo sous am toute qualité toute calibre qui était dans paragraphe 11 résolution octobre 2023 au lieu de kembe embargo sous question assistance technique ou bien formation etc qui vient pour question militaire ou bien qui lié à question armement etc. Yo te juste et bien mettez embargo sous armes légères petit calibre et munitions pour être capable faciliter déploiement mission multinationale de sécurité. Et maintenant semaine dernière soit le 18 octobre 2024 vendredi qui s'est passé là. Eh bien, Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une nouvelle résolution. Et c'est la résolution 2752. Et résolution ça, madame, monsieur, l'y renouveler pour une période d'un an, régime de sanctions qui était proposé par les États-Unis et qui était soutenu par le Mexique là. C'est-à-dire, le régime de sanctions ça, est valable jusqu'à 18 octobre 2025. Mais, un point important dans le régime de sanctions qui attire l'attention, qui fait débat et même provoquer polémique, c'est la question d'embargo sur les armes. Il y a des médias qui rapportaient que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté une résolution là pour mettre un embargo sous le pays d'Haïti en ce sens que Haïti n'a pas acheté des armes, Haïti n'a pas acheté matériel militaire, Haïti n'a pas joué une assistance technique, n'a pas joué une formation dans les pays amis, etc. Mounio dit. C'est méchant de la part de l'ONU, de la communauté internationale, dans un contexte aussi difficile que ça Haïti a connu là sur le plan sécuritaire. Mais il y a l'autre monde qui dit, ah, c'est pas ça l'information. Bon, mes interprétations, tout au moins, il y a des médias qui rapportaient l'information en mal. Et par rapport à tout ça, tu as dit, sous question ça, nous autres nous devons quand même intéressés pour nous chercher qu'on est. Qui ça bagaille là yé? Est-ce que un groupe qui a raison et que un autre groupe qui n'a pas raison? Est-ce que un groupe qui a été induit en erreur? Etc. Et d'ailleurs. Mais, l'on a essayé de garder des documents qui sont disponibles sur dossier ça, on a des hommes guerriers du seul. Dieu donné tête junior, nous rendons compte appréciation qui a varié en fonction de côté lié information, même si c'est à l'origine. Alors l'un dit à l'origine, bon côté l'ONU. Il y a deux documents en présence. Il y a le communiqué de presse des Nations Unies sous question, mais il y a la résolution en soi, qui est la résolution 2752.
Donc si vous li communiquer ONU, li ka permettre qu'on bon appréciation. Vous savez pourquoi? Parce que dans communiquer on a des hommes. Yo pas forcément bay tout détail. Yo rapporter l'essentiel qui soit doué retenu sous résolution ça. Alors que dans résolution yo détaillé. Donc si on moun li communiqué de presse l'ONU sous question ou pas voyager dans résolution pour garder 1 2 3 4 qui ça qui en dedans résolution ou capable tromper de bonne foi ou bien capable faire mauvaise appréciation de décision qui prend 18 octobre là à travers résolution ça que conseil là lui-même l'a adopté à l'unanimité. Si on va aller dans communiquer comme son va avec public sur net là ou bien n'importe monde qui aller sur site Nations Unies là etc. quand il cherche ou bien monde qui déjà cherche sur l'île déjà tout capable garder avec dans deuxième paragraphe communiqué à Ronald des hommes n'appelle en français et n'a essayé garder ça ne comprendre monsieur garde je trompe mais nous même nous avons toujours comprendre français passé mais tant des français passé au moins ga aider la république comprendre qui ça qui dit dans deuxième paragraphe communiqué à qui parti comme ça en vertu de ce texte présenté par l'Équateur et les États-Unis, le Conseil décide que tous les États membres doivent prendre pour une période d'un an les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente et le transfert direct ou indirect d'armement et de matériel connexe de tout type à Haïti à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés chez eux. Et ça ne comprenne qu'on a les hommes. Comme nous t'avons parlé de texte que Équateur et États-Unis présenté très récemment là, eh bien conseil là décidé guerrier du seul Ronald des hommes pour tout pays qui s'est membre organisation Nations Unies pendant période yon l'année guerrier du seul pour yon prendre des mesures nécessaires pour yon pas ni faire Haïti cadeau zam ak matériel qui gen pou avec zam trili avec zam quel que soit type là pour yon pas ni vann Haïti zam ak matériel quel que soit type là pour yon pas ni transférer que le directement ou indirectement armement ou bien l'autre matériel qui lié avec question armement quel que soit type là by Haïti et yon aller plus loin ni à partir du territoire pa yo pays membre ni pour utiliser territoire par yo comme transit, ça veut dire pour sortir l'autre côté pour le passer par yo même. Et même moun qui c'est des ressortissants pays membres, c'est-à-dire citoyens pays ayo, pas gain droit faire commerce ça faire activité ça ou bien faire transaction ça, yo nous sortir de là avec Haïti. Et ça communiqué gars a dit. Mais on se comprend. Donc un moun qui peut être capitalisé sous ça rien doit dire ah c'est de Haïti ou parler mais qu'on y a on dit il y a pas de raison mais il y a raison quel que soit qu'on t'aille pas avoir débat on essaie de garder qui ça embargo non pas trop fort mais au moins n'a pas retenu que embargo l'inscrit dans cadre légal commerce légal c'est un pays qui a vend nous par exemple on gagne deux téléphones une tablette là on pas besoin pas marquer pas payer nous pour ça. Et puis il décide de dire, dans le produit ça, que l'a exporté, il l'a voyé devant nous, mais on va venir acheter la caillou, la caillou avec eux. Pour une raison X ou Y, il n'y a pas de vendre ça. Encore. Ce que l'on doit. Quand on y a là, ou même on dit, ok, comme c'est à quoi vous avez acheté, il va voler, il va voler. Il n'y a pas de vendre ça.
ou pas l'acheter dans l'autre côté, oui. Ça qui a dérangé, c'est si c'est les mêmes qui gagnent monopole là, dans l'échelle internationale, ça, ils gagnent ça, ou bien c'est les gagnent exclusivité. Par contre, vous comprenez. Mais dans le cas contraire, on doit dire, ok, comme ils décident pas vendre moins ça pour résoudre pour l'autre, allez vers l'autre pays. Alors que dans le texte, on dit, c'est tous les pays membres des Nations Unies. Est-ce que là, on a les liaison? Donc, on est capable de dire, jusqu'à présent, pour gagner qui mal. Eh bien, la question de matériel, etc., légalement, est-ce qu'en particulier, qu'on décide de dire, libéral, acheter, pile zam, pile machine, faire vivre dans le pays? C'est toujours le gouvernement, c'est toujours l'État qui eux-mêmes fait des commandes, soit pour la police, soit non degré là par rapport avec mise en place l'armée pour l'armée, ou bien pour de l'autre entité de sécurité qui sous commandement gouvernement. Ou d'accord jusqu'ici. Yes. Donc qui vient faire, dans compréhension en pile monde, si on parle d'embargo sur Haïti dans la question des armes, donc c'est que le gouvernement prend dans l'impossibilité pour acheter des armes, pour acheter armement, pour acheter matériel connexe pour pays. Et voilà pourquoi moun yo attribué voyage, ou bien certains moun, monsieur Garikouni était fait au Moyen-Orient très récemment là, à un voyage touristique. Parce que yo dit, voilà les Nations Unies viennent mettre en bas aux armes sur Haïti. Par contre, vous comprenez ça, non? Mais notre texte là, il dit embargo sur les armes là, c'est contre ceux qui soutiennent les activités criminelles en Haïti. Mais ni moi ni vous, ni mon capitaine de connaît, mon cap soutenu activités criminelles yo dans pays là, c'est pas dans couloir légal yo passé pour acheter armes. Ni moi ni vous connaît entité qui a fourni gang yo armes, qui a bail gang yo armes, qui a facilité gang yo jeune zam, c'est pas légalement au fait. D'où le trafic illicite. Donc si c'est un bail qui est fait de manière illégale, à quoi bon je dis à de parler d'embargo? Donc embargo ou pas, depuis c'est. Ça veut dire comme on bail t'a fait hors la loi, qui pas de gagner aucune surveillance, que t'a veillé mon Dieu fait clandestinement c'est une gardien comme ça. Donc embargo ou pas, pour répéter guerrier Dieu seul. Donc il y a toujours fait. Ouais. Depuis couloir illégal yo toujours existait. Yeah. Donc comme dit que doit dire pour qui ça embargo ça là, est-ce que question embargo ça c'est pas jouer petit monde, jouer tête parce qu'on met embargo sur un commerce qui était légal, nous supposé. Nous a toujours trompé mais nous supposé. Un commerce illégal côté monde dans les mêmes, il réunit conditions la gel dans même, il va l'acheter et puis pays ou bien gouvernement ou bien pays côté là va l'exporter à là va importer à pardon. Et puis décider de ne pas vendre ni tel bagay. Ce que rien comme moi. Par contre, vous comprenez. Mais, dans la résolution, mon détail, vous mettez, bon, je ne vais pas prendre le détail, mon élément supplémentaire, si vous avez le conseil, vous mettez, qui a fort pour l'autre approche de la question. Si nous avons la résolution 2752, madame, monsieur, que nous avons eu chance hier soir, je t'en prie là-dedans. On a allé, par exemple, dans le deuxième paragraphe. Résolution hein, qui gagne la dalle petit a petit b petit c. Dans le deuxième paragraphe là qui concerne embargo sur les armes là, eh bien on dit qu'on s'est décidé que tout état membre doit prendre pour une période d'une année à compter de l'adoption de la présente résolution. Là on parle de la résolution 2752, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à Haïti à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, etc. Et ils ont ajouté, guerrier Dieu seul, ils ont ajouté, au moyen de navires battants, leurs pavillons ou d'aéronefs immatriculés chez eux, d'armements et de matériel connexe de tout type. Attention, hein? Y compris les armes, y compris les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique, bien madame, monsieur, ainsi que toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture
l'entretien ou l'utilisation de tout armement et matériel connexe, etc. Mais tout ça, vous avez dit là, est-ce que vous avez particulier, un groupe de monde dans la société civile là qui a une capacité ça? Hein? Tout ça, vous avez dit là, mis à part l'État, autorité, est-ce que vous avez particulier qui a droit non seulement légalement à acheter des armes, acheter matériel connexe, acheter munitions, acheter machines, acheter matériel militaire, équipement paramilitaire, pièces détachées qui correspondent avec vous? Est-ce qu'on particulier qui est capable d'acheter service, c'est ça, assistance technique, formation? Vous comprenez? Pour les gens. Non, c'est des bagailles. C'est le gouvernement qu'on fait pour le compte de ces unités de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord là? Mais côté vous prenez nuancé, vous dites. Et décide également, parlant du Conseil de sécurité, que cette mesure ne s'applique pas, petit a, à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armement et de matériel connexe, ou à la fourniture de l'assistance, de la formation ou du personnel nécessaire, dans ce contexte, à l'Organisation des Nations Unies. Donc, mesure, ça n'a pas l'air de pas concerner l'organisation. Nations Unies. Donc si c'est eux qui décident, à toute mission autorisée par l'organisation, mesure ça ne doit pas aller à la toute mission que l'organisation autorisée par concerné. Aux unités de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien. La police. Ça veut dire la police l'armée. La police l'armée. Donc c'est comme si aux mesures ça ne doit pas aller à l'IPA applicable pour l'État. Pour l'État. Mais on y a là. Et là, on retourne avec ce que je me posais dans l'heure. Mais qui particulier là, dans mauvais affect, qui te finance gang yo, qui te kon bail gang yo tete, qui te kon utilise gang yo j'en ouvre, ou pour une facilité yo, vend yo, etc. Qui te kon faire de manière légale? Par contre, vous comprenez. C'est dans contrebande, vous comprenez, c'est dans corruption, c'est dans tout le bail yo. Tout ça qui arrive jouer de gang yo, que c'est cadeau, que c'est acheté. Ma femme, vous comprenez? Et puis, vous ajoutez petit BA que à la fourniture, cette mesure ne s'applique pas, à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armement et de matériel connexe, ou à la fourniture de l'assistance, de la formation ou du personnel nécessaire dans ce contexte à Haïti. Mais attention, pour ne pas applicable à Haïti, c'est lorsque vous autorisez au préalable par le comité créé par la résolution 2653. Qui s'est résolu le comité qui l'a pour favoriser objectif de paix et de stabilité. Ça veut dire qu'il prend le contrôle là. On va cacher ça. Aux livraisons de matériel militaire non létal. Avec des, si c'est des matériels non létal, il n'y a pas qu'à tuer, etc. Au moins, il n'y a pas qu'à blesser gravement grave. Au gouvernement, destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique ou à la formation connexe lorsque vous avez pour objectif ou bien pour but principal pour favoriser objectif de paix et de stabilité. Mais dans quel cas, gouvernement? Dans le cas, ça seulement ça m'a dit. On y a demandé et ça m'a qui est rentré qui continue à rentrer côté au passé dans le couloir. C'est pas le gouvernement qui va aller. Mais là on a poussé réflexion là si nous retourner dans communiquer encore madame monsieur. Gomba est fondamental. Moi je voulais souligner et laisse ça me rallouer toute virée ou toute français ça bon, je suppose texte initial là t'es fait en anglais. Je suppose toute virée ou tout tourner qu'a fait en anglais ça yo. On a des hommes, bon green objectif, ou bien tout bon côté où tu devrais arriver. Son pinga, oui, on va et bail. Gouvernement haïtien, autorité haïtienne, l'État haïtien, on garde pour nous, on va gagner. Si n'a pli, deuxième, on va garder moi, disons, troisième paragraphe, communiqué Nations Unies. On sa troisième paragraphe là, dit on a des hommes. Résolution, hein, encourager tout. Gouvernement haïtien pour renforcer capacité gestion. Gestion ZAM et munitions de police LIA pour les gagner
assez de capacité pour l'administrer, marquer, enregistrer, contrôler, entreposer et éliminer de manière plus sûre et efficace les stocks nationaux d'armes et de munitions, ainsi que les armes et munitions saisies, et à intensifier les contrôles frontaliers, et douaniers afin de lutter contre le trafic et les détournements. Mais ça nous a retenu, madame, monsieur, par rapport à tout ça où elle nous a dit là. La communauté internationale, les Nations Unies, d'une façon spéciale, entendent sur ça que l'État haïtien sont mauvais gestionnaires. Non, ça n'a pas l'air là. L'État n'a pas de capacité pour gérer les amis bien, pour gérer munitions bien, pour gérer ça, acheter au bien. Et madame, monsieur, compréhension, ça va le renforcer. Dans le dernier rapport du comité d'experts qui travaille pour le compte, ou bien dans le rapport des experts qui travaille pour le compte du comité des sanctions des Nations Unies, qui sortit le 30 septembre là, peut-être lundi prochain, si pas trop grande évolution dans l'actualité, on va regarder ensemble avec l'auditoire là, internet de Sakladan. Qui ça veut expliquer? Yo expliquer, madame, monsieur. Un paquet d'âmes, un paquet matériel. L'État haïtien, le gouvernement haïtien a acheté pour le compte de ses unités de sécurité. Au grand étonnement, à la grande surprise, matériel zayo, il y a le joignyo nommé Negat Zabio. Moi-même, Ronald des hommes, guerrier Dieu seul, tête junior Dieu donné, mon capitaine de Oula, t'as remis qu'on est par quel moyen? Est-ce que c'est magie? Est-ce que c'est disparaître? Est-ce que c'est gagné qui a le cassé? Dépôt, côté qui gagne, ZAM pour entité de sécurité Zayo, qui sous complètement l'État. Moi, t'as essayé de comprendre. Processus pour gagner approvisionner en armes à feu et en munitions, guerrier Dieu seul, on l'aime pas là avec un proche ou bien un sous qui proche, coalition, groupe criminel vivant ensemble. Qui expliquait avec des images à l'appui, il y a des armes que la police saisit, madame, monsieur. Des armes la police saisit dans le cadre des interventions ou des opérations. Peu de temps après, Zamzayo retourne dans la main soit groupe criminel qui te gagne l'avant, ou bien on l'autre groupe criminel de la place, allié ou rival. Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il pas dit vrai? Ça a bonne possibilité pour nous fouiller toujours. Mais bon, me fait un petit rappel. Mbagé date là, mais information ça va surprendre mon capitaine. Nous ensemble de Galil yo te commandé pour le compte du palais national. Mais des informations officielles te fait quoi que gen Galil zayo qui était dans village de Dieu, gen Galil zayo yo t'a rejoint juge Jamaïque. On s'en souvient. M'bra aller plus loin. Yo dit mais qui procédure? Les autorités au fin de saison ZAM qui sont dans les criminels qui poursuivent jusqu'à la destruction de ces matériels. Mais pour une raison bien pour l'autre. Pour une raison bien pour l'autre. ZAM ZAM qui retourne dans mes bandits ou dans mes bandits. Sans compter l'autre matériel qui est destiné à la police nationale d'Haïti qui n'est pas même arrivé pour servir l'institution police là, tout neuf qui a joué une bandit. Comprenez bien, oui? Les achetés matériels là, ils étaient destinés à la police nationale d'Haïti. Et puis, comme par magie, ça ne va même passer en décision police là, joué une bandit. C'est le bandit qui va le décacher, le bandit qui va le faire tout neuf. Moi, oui, il y a des gens dans l'organisation de Amounio qui parlent de ça. Et le comité d'experts, madame, monsieur, il dit ça dans le dernier rapport là.
guerriers du sol. Détournement des matériels destinés à la police de, nationale d'Haïti au profit des gangs armés. Alors, ça n'a pas l'air là. Fusil d'assaut Galil par les nationales là. Ok. Yo, information a été fait quoi? A été joigné en possession d'un gang qui indexé dans massacre à la Saline. Oui, un fusil d'assaut Galil PNH là en possession d'un gang qui démantelé dans rue Porcelaine qui impliqué dans massacre à la Saline. Information ça a été sorti 9 mai 2019. L'autre voilà. Élément quoi guerrier dit seul que Mounio doit retenir. La question embargo ça n'a pas l'air là. C'est la situation, madame, monsieur, des sociétés ou bien des compagnies de sécurité privée. Ça, son cancer dans le pays. Et ça, son paramètre à considérer dans quatre batailles contre le grand banditisme en Haïti, contre le phénomène de l'insécurité. N'en déplaise avec des responsables ou bien des présidents directeurs généraux, présidents directeurs généraux de institutions AIO, mais bon, paquet compagnie de sécurité qui pour beaucoup non, ça n'a vive aujourd'hui. Comment guerrier du seul Ronald des hommes. Compagnie de sécurité, madame, monsieur, la loi tracé procédure pour acheter des âmes. Et la loi tout dit, mais qui type de âmes? Vous avez acheté. Vous avez acheté, madame, monsieur. Je ne vais pas vous remonter parce que je n'ai pas un texte là devant Jim là. Mais je suis certain, la procédure là, il y a une implication au ministère de l'Intérieur. Il y a une implication de la police nationale d'Haïti ou bien ministère de la justice, quelque chose comme ça. Pour avoir autorisation et tout dit, mais qu'ils ont acheté, c'est une batopine, c'est calibre 12, et puis arme de poing, dans un étant revolver de calibre 38, je vous dis, c'est 9 mm là-dedans. Mais mes chers amis, auditeurs et internautes, mes frères, mes collaborateurs, si je dis non, que non seulement la compagnie de sécurité a acheté des armes, sans yo pas sur le couloir légal là, mais tout madame monsieur yo faire rentrer dans pays a des âmes qui pas grand rien pour ak zam yo autorisé pour faire rentrer dans pays a. Et dans son dernier rapport le comité d'experts yo expliqué malgré embargo sous zam yo y a des sociétés de sécurité privée qui opèrent dans pays d'Haïti qui continuent à acheter zam ak munitions madame monsieur. Et en grande partie, toujours selon les experts des Nations Unies, du matériel utilisé par ces sociétés est acquis de manière illicite. Il n'est pas enregistré dans les bases de données nationales. Ça me doit dire là. Hein? Comme pour les civils, les sociétés qui souhaitent enregistrer leurs armes auprès de la police et obtenir une licence officielle, même rétroactivement, le font facilement et sans être questionné sur la provenance du matériel. Dernier parti à message dit. Même pour même comme particulier, vous avez mon pour là, au niveau de la police ou bien institution là, avec facilité, vous avez un papier pour vos âmes, ça vous pas même poser une question, comment vous achetez, comment vous faites venir, etc. C'est ça que vous expert à dire. Et l'un de ces jours, vous avez un travail approfondi sur la question compagnie sécurité, ça. Il y a des compagnies de sécurité. L'organe où c'est 12 qui n'a mis à jour. Côté acteur avec la sécurité. Mais, compagnie de sécurité, ça a eu une deuxième tête chargée. Yo fait venir dans le pays. La République t'a bien aimé connaître. Qui ça va faire? La République t'a bien aimé connaître. Est-ce que pas gagné? Certaines, pour répéter bien sûr, le comité des experts n'a compagnie ça qui de connivence avec gang armé. Est-ce que vous pas impliqué jouk nanzo dans trafic illicite qu'a fait yo là fait amonter dans pays pour compagnie là pensez c'est compagnie quoi ça va yo
et puis c'est l'autre bagaille à le régler. Nous pas dit tout. Il faut arriver à ça. Mon dossier m'a travaillé sur lui là, ça fait beaucoup parler de lui parce que il y a des documents importants beaucoup gain. Gain compagnie dans pays là qui fonctionner illégalement, on va une sécurité qui a bail des institutions. Et ça grave là, des institutions qui a payé l'état oui. Qui a payé taxes normalement. Hein? Il y a des compagnies qui parlent en règle à l'État, qui ont bas sécurité. Et il y a toute qualité des âmes. Et il y a des compagnies qui ont déporté dans la tête. Un citoyen qui est en contravention avec la justice américaine, qui est là, etc., qui a fait entrer des âmes par tous les moyens de, en complicité avec des membres de la diaspora haïtienne, notre droit, et puis pour alimenter. Par contre, c'est bon. Problème, problème. Absence d'État. Et on dit malgré un embargo, ça, qui était là depuis 2023. 2022, pardon, que vous renouvelez là pour un an encore, 2025, là, comparé ça vous, toujours à faire ça dans le pays, là, madame, monsieur. Par contre, vous comprenez. Et, bon, je lis pour nous, au moins un paragraphe, en attendant, moi, dis nous, moi, je viens parler de rapport, ça. Grosse source, selon les experts des Nations Unies, qui suivent l'évolution stock ZAM de plusieurs sociétés de sécurité privée dans le cadre de fonctions officielles, yo. Et bien, qui fait groupe expert ou connaît, stock sa yo te mal géré. Et société sa yo, yo te en possession d'une série de armes qui non enregistrées, y compris des fusils semi-automatiques, alors que l'enregistrement était obligatoire. Et possession type fusil ça, l'illégal dans le pays d'Haïti. Et que nombre d'armes à feu, madame, monsieur, que compagnie sa yo gen à la disposition yo, li dépasse limite. Que l'autorité haïtienne, même ou bien la loi haïtienne autorisée. Groupe expert, là, madame, monsieur, dans le travail de traçage, l'IA, l'IRIVE, l'IRIVE permet, eh bien, de déterminer, on sait que les âmes qui ont enregistré, bon côté société de sécurité privée, yo, et qui a nommé criminel sans foi ni loi, madame, monsieur. Ça me dit tout à l'heure. Donc c'est pas le groupe d'experts travaillant pour le compte du comité des sanctions de l'Organisation des Nations Unies qui dira le contraire, madame, monsieur. Donc en plus de pingas à vous et l'État, parce que vous estimez que l'État lui-même, pour un réseau, pour l'autre, décide pas gérer matériel ça yo. C'est des matériels sensibles. On parle quand même d'armes à feu. On parle quand même de munitions. On parle quand même de matériel qui peut être en rapport avec ça. Yo. Pour l'État, pas même des capacités pour l'enregistrer, pour le suivre, pour l'entreposer, etc. Donc, il vient favoriser deux bagailles. Pour là, il vient favoriser détournement. N'importe qui est dans l'État d'institution qui a décidé que tel exam. Telle munition, pas pour aller faire travailler la police là, mais pour aller, soit pour vous vendre gang, vous faire comme avec, ou bien vous allez jouer gang, tout carrément. Nous pas prendre parole, chef gang, pour l'évangile, mais vous question, vous posez tête, vous posez souvent, à mon gars suivi, qui légitime, à mon sens. Vous pas voyager, vous pas prendre la rue. Même là où elle fait forfait, où elle fait actes criminels, c'est petits soldats dans la rue. Mais comment ils ont fait une capacité pour approvisionner très facilement en armes et en munitions comme ça? Et nous ne pouvons pas parler des armes où la police a présenté là, qui perdit tout le temps dans là, non? Des armes où je rampe et je me dis directeur la police a tiré sur moi, moi je l'ai tiré, oui. Je ne dis pas que la police a tiré sur moi. Mais je gâche du barrière, non? On a parlé des armes qui ont exposé, des armes comme si tout neuf, ok? Et semi-automatique ou bien automatique de grand calibre dans la mer. Donc c'est pour une baguette magique que gagne. Donc quelque part, bon côté zam passé pour lui arriver joindre bon couloir. Par contre, je comprends. Et je dis à si nous croyons rapport de plus de 140 pages qui pour des signatures groupe expérieux. Il y a lieu de se poser cette question, à quoi sert cet embargo sur les armes qui ont été mis dans le régime sanction, soit contre les gens qui ont financé les gens qui ont soutenu les gangs ou autre. Parce que jusqu'à présent, pendant le régime sanction, pendant la police a frappé, pendant
Kenya dans pays a pendant nouveau blende HTA pendant en pile lobby ou bien en pile annonce a fait sur question la police sur question l'armée sur question MMS là bandi ont continué à acheter des armes et continue à vendre des armes moi al baou gampil et m'a prend quatre principaux gangs qui gagne dans pays là dans région métropolitaine on prend Grand Ravine on prend village de Dieu on prend Crasé Barrière on prend 400 Marozo guerrier de seul. Nous va écarter possibilité que vous avez droit de connivence avec des monde diaspora là, oui. Dans quatre contrebande pour faire des amateurs. Mais c'est des monde qui gagne des gros moyens dans mes acheter des armes. Mais dans mes qui acheter des armes ça guerrier de seul. Dans mes qui acheter des armes ça. C'est des groupes armés qui gagne assez de moyens pour acheter munitions là, oui, acheter balles. Mais dans mes qui acheter eux. Par contre, je dis à quand même, il y a lieu de remettre en question le régime des sanctions proposées par les États-Unis. Bon, pas proposées, hein. Adopté par le Conseil. C'est le texte qui était proposé par les États-Unis. OK? Soutenu par le Mexique. Nous avons remis la question. Puisque il y a des gens qui étaient visés par les sanctions, ils ont dit, ah bon, nous qui sommes à l'aise, même pas, c'est moi-même avec Ronald dans le pays. Mais par contre, il y a une bonne possibilité tout. Pour nous ouvrir jeune sur un ensemble de réalités que yote qu'on a parlé de tout bas dans le salon, vous comprenez? Que yote qu'on a parlé tout bas de l'air privé que nous pas de l'admettre dans l'opinion, mais je dis à pas de route pas bois que nous devons accepter et qu'on est qui meilleure formule nous sommes capables de contrer la rêve. Par contre, vous là, non? Oui, je vais tout ça parler. Moi, je considère les résolutions comme un appel à responsabilité que fait l'État haïtien. C'est comme si je me que je voulais dire l'État haïtien, il n'y a pas qu'à venir faire travail là pour lui. Lui-même, il a gagné de responsabilité, il doit prendre tout pour permettre que le travail soit fait. Parce que, ouais, je vous décris la situation là, Johnny. Il permet un peu le monde aboutit à la conclusion que son insécurité d'État que nous avons souterrain là. Parce que si l'État pas prend de responsabilité pour que les solutions de problèmes au plus haut niveau, mais c'est normal parce que je regarde en réalité, guerrier, Johnny. On est par exemple capable de directeur général de la police avant d'empêcher que nous avons une compagnie de sécurité privée. Ok? On est sénateur, ça va empêcher que nous avons une compagnie de sécurité privée. On nous connaît déjà bien fait facile ici là, trafic d'influence, etc. Qui dans la police tantôt qui gagne compagnie de sécurité. Oui. Oui. Donc ça veut dire que niveau trafic d'influence là, c'est facile. Ouais, c'est facile. Et le pire c'est que on va jouer nos nèg qui là qui doit prendre responsabilité. C'est nèg ça qui a fait zéro à tourner neuf. C'est nèg ça qui a dit mon cher ça va faire, il pas légal non pas mais comme c'est obligé bah quand même. C'est comme ça de fonctionner avec l'État. Et malheureusement pour nous dans le pays, le fait que c'est comme ça de fonctionner avec l'État, ou que comme impression que, ou vient alimenter un ensemble de particuliers qui décident que, ils même yon ka, à n'importe quel moment remplacer l'État à tout. Ouais? Ils ont remplacé l'État. Et c'est ça. Maintenant, nous avons un très grave que Johnny dit là, on déporté qui ont compagnie sécurité. Ouais? Qui illégal mettez sous lit encore. Mais ou pas carré les compagnies sécurité, non? Ou pas carré les compagnies sécurité parce que. Il pas légal. Il pas légal. Il n'y a pas n'importe quel autre bagaille. Ou comment? Il n'y a pas de mercenaires. Il n'y a pas de. Donc ça veut dire que. Et c'est pas de bagaille que l'État n'a pas connu, non? Par exemple, on est son bandit, les dougueux. La police saisit les armes dans mail, les armes dans retourné dans mail. Pas de pièces pour nous payer pour ça, pas de pièces pour nous qui a travaillé pour que ça n'a pas fait encore, etc. Donc ça veut dire que le véritable problème, c'est l'État. Oui. Et moi-même, je aboutis à la conclusion, si ce n'est pas l'État qui est en même, c'est bandit avec l'État. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça, je voulais dire que. La police n'a pour compte li pas qu'à résoudre le problème ça yo. C'est vrai qu'il y a des responsabilités, mais on semble responsabilité qui partagée. OK?
compagnie de sécurité, ça, yo, monsieur qui a gagné l'institution qui l'a pris autorisation. La police est capable la donner. Mais vous n'avez pas gagné un travail qui fait pour mener une enquête sérieuse sous la compagnie de sécurité, ça, yo, côté aux jeunes amis. Comment vous faites gagner? Quel type de amis vous gagnez? Vous pensez problème des amis illégales qui sont dans le pays là, vous avez résolu? Ou pensez bandits qui ont besoin de cartouches, qui ont besoin d'armes chaque jour, jamais fini. Donc c'est bon moment, et c'est ça que Fendé toujours dit, si toute institution est dysfonctionnelle, la police pour qu'on ne pas qu'à résoudre ça gagne là. Si l'autre institution n'a pas assumé responsabilité, yo, chaque niveau pas yo, la police pour qu'on ne c'est laver monsieur à terre. Si l'autre institution n'a pas assumé responsabilité, yo, coup est la justice par exemple, si la police a pas arrêté et puis gagné de juge qui a libéré, qui s'est passé? Nous avons eu des chiffres et quoi c'est Michel Ange qui était baillé et qui te dit que mon paquet de tags qui là ouais qui c'est gros chef gang, il était arrêté ou déjà? Anel Joseph par exemple. Ils ont été arrêtés plusieurs fois, mais libérés. Donc, c'est toute institution qui peut jouer un rôle par eux. Et puis, qui permettre que la paix retourne dans le pays. Et puis, comme vous regardez tout, si la résolution dit, c'est l'État qui a acheté les armes. Donc, c'est un gros avantage que l'État a gagné. Si, ça veut dire que. Petite précision, l'État a pas acheté les armes pour toute unité de sécurité qui est sous-commandement. Yeah. Elle dit unité au KHT, mais attention, c'est en coordination avec l'autorité, donc une unité va décider de son propre gré, elle dit, libéral commande des armes. Donc c'est l'État qui a fait feu vert, l'État qui a fait mandat. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que, son bail que l'État a résolu, c'est bonne volonté. Ouais, cette histoire de flou, les armes qui ont sorti des États-Unis pour rentrer ici, pas bandit, pas paquet. Si l'État décide que le pape collabore avec un compagnie de sécurité privée pour vous rentrer, comment la faire entrer? Mais attention, si nous avons un texte résolution, mesure ça, n'a pas parlé d'embargo sur les armes, il est applicable à la compagnie de sécurité. Parce que la compagnie de sécurité privée, il n'est pas sous commandement de l'État. Il n'est pas sous commandement de l'État. Et c'est pas pour cette raison, dans le dernier rapport du groupe d'experts qui travaille pour le code du comité des sanctions des Nations Unies, où ils ont dit malgré l'embargo, malgré le renouvellement en Bagoua, il y a des compagnies de sécurité privées qui continuent à faire ça rentrer dans le pays de manière illégale. Ok? Donc ça, il faut le souligner. Est-ce que c'est eux placés comment? Ils sont sous embargo, mais comment ils font acheter? Parce qu'il faut que vous jouez dans visa. Illicitement, mon frère. Et ça, oui, les commerces illicites, la même, oui. Ils vont dans le couloir légal pour séduire avant, non? Ils vont dans la loi, ils vont dans le principe avant. Non, attendez. On y a souvent d'eux. Qui sa canal za ouye, couloir za ouye, pour faire zam nan souti deux pays et d'origine na etan, passe kou de l'oubou passe ya, soit en transit en République Dominicaine, etc. pour y va iti ya, ça m'a ronde. Non, quand tu précises, j'en vous regarde. Acheter ya pas publicit. C'est faire rentrer yon ka publicit. Parce que, l'on achete un zam, ou ap gen yon, ou ap gon référence quand même. Ou ap gon compagnie, ou ap gon kote commande la place, etc. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, compagnie lui-même, l'a fait à bon doigt. Non, mais est-ce que c'est dans la compagnie l'acheter ou bien? Ok. Oui, mais Flozab, soit avec mon carrière, est-ce qu'on a acheté le mot particulier? On prend les États-Unis, par exemple. On prend les États-Unis. Côté audio, ZAM facilement pour un citoyen acheter, il suffit qu'on réponde à conditions minimales, vous voyez? Mais, majorité ZAM, ils saisi dans le niveau droit de Dieu. Sous un regard à l'origine, c'est parce que non mon haïtien ne veut acheter. Donc bon mon gars l'achète pour les États-Unis. Lui joue une formule pour nous mettre dans le bateau pour faire le visa. Oui, mais c'est bon mon ici décide de dire bon moi-même, mien comme moi même, moi l'achète aux États-Unis. Oui, exactement. C'est ce que mon gars achète aux États-Unis. Ah, ça c'est l'autre débat. Les suivre procédure légale. Exactement pour lui. Écoute, ces résolutions ont dit que c'est et ah oui, l'on dit pour lui. Pour lui même. Pour lui. Exactement. Et pas pour lui. Haïti, pour lui. Oui, procédure légale. Yeah. Maintenant qu'on est à la. Et ça peut mettre en barreau sous lui, on dit qu'on n'a pas fait ça. Exactement. Quand est faiblesse là, on est là. Faiblesse là au niveau de transport là.
tout processus là, c'est lui qui constitue le trafic là. De côté le sotia, passer soit dans frontière, dans niveau douane, en l'air, etc. Juste arriver dans même monde rivière pour aller dans mes criminels. Mais même jour, même pense que DCPJ a un gros rôle pour le jouer dans ça. DCPJ capable de commencer marrer débarquer dans compagnie de sécurité, dit même bon moi toutes armes qui gagne là papier yo côté acheté qui est-ce qui dédouane yo et vous t'avoir ou t'as commencé marrer vagabond et vous t'avoir bailler t'as calmer. Alors on va dire compagnie de sécurité seulement non qui non dit on parle oui ouais son paramètre donc elle dit ou debout commencer faire ça. Si compagnie de sécurité ça l'été dans vente vagabond zam il a calmé. C'est des CPJ pour nous payer en coup de main. Compagnie de sécurité, il y a une adresse. Ça a une adresse. Eh bien, bonjour. Débarquez la dernière. Mandez tout document sous ZAM. Qui est-ce qui te bon autorisation pour acheter type de ZAM ça? Comment faire des douanes? C'est l'institution pour jouer au lieu. Mon juriste qui dit, mon homme de loi qui dit plutôt, agence de sécurité, yo, ministère de l'Intérieur, bah, yo, permis, l'armée même te doué une responsabilité contre les armes. La police pas de jambes dans affaire agence de sécurité, c'est depuis que tu es démobilisé là, la police prend ça en compte. C'est l'armée qui l'a ou d'abord permis pour les armes, c'est eux qui ont contrôlé formation agent, etc. Agence de sécurité par rapport à des armes de guerre, bon, ces armes 12, on te dit ça 38, tu gagnes. Mais malheureusement, cher maître, tu gagnes. Bon, bah, il dit, on l'autre bagarre encore. Et je voulais la République noter ça. Il y a des compagnies de sécurité en fonction de qui bon la voie à agent sécurisé, livre dans la vie. Oui. Ça veut dire pas étonnant qu'il y ait des résidences privées et pour vous, il y a des agents de sécurité, donc compagnie qui avait 12 armes automatiques, qui pas 12. Mais ça qui est accessible à tout le monde, par exemple, devant une institution commerciale ou une entreprise commerciale, ou après c'est 12 qui t'en mettent. On va y avoir 12. Vous comprenez? Mais il y a des résidences privées pour des compagnies de sécurité. Albaï des particuliers, mais des groupes dans le secteur privé à sécurité et tout. Ouais, c'est gros âmes, fan de foi. C'est des âmes qui pas autorisées et en Haïti. Vous comprenez? Donc, nous t'es estimé l'important pour nous faire zoom ça sur la résolution 2752 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui renouvelait pour une période d'un an, soit jusqu'au 18 octobre 2025. Et le régime des sanctions qui était proposé par les États-Unis depuis le mois d'octobre 2022. Notamment, ce point qui concerne l'embargo sur les armes contre, bien sûr, des mounio estimés cap soutenir, des mounio estimés cap contribuer dans l'activité criminelle, dans le bail et groupe gang yo plus force dans l'idée de rejoindre les armes, etc. Mais nous t'ai expliqué. Dans le deuxième paragraphe, résolution, côté conseil a dit, il y a pièce pays qui est État membre et Nations Unies, bas Haïti ZAM, vend Haïti ZAM, vous comprenez? Pour bien transférer ZAM bas Haïti, que ce soit directement ou indirectement, ou bien permettre que ressortissants dans le commerce avec Haïti. Et puis il y a pièce pays État membre, tout servi de transit. Okay? Parce que Haïti doit acheter ZAM dans l'autre côté. Etc. Et puis, vous faites le passer dans un pays mobile, vous dites négatif. Et vous dites exception faite, ou bien mesure, ça n'est pas applicable, notamment avec unité de sécurité qui sous commandement du gouvernement haïtien. Et vous dites même si unité ça a décidé de faire des marches là pour contre pas, mais il faut faire la coordination avec le gouvernement, l'État haïtien. Mais nous-mêmes, nous disons que nous avons retenu son pinga. Vous voyez bah, Haïti dans la résolution ça par rapport à l'incapacité de l'État haïtien pour gérer le stock li, dans la question ça. Parce que il y a des détournements qui ont fait, côté il y a des matériels qui étaient destinés à la police nationale d'Haïti qui a joué gang. Par quel moyen? Ça, c'est la grande question. Même Jantou, il y a des compagnies de sécurité en Bagoua concernées, malgré Bagoua qui continuent à importer des armes dans le pays. Et selon le rapport du groupe d'experts, dans pile dans les armes, parce que le groupe d'experts a dit qu'il a tracé quelques armes, on stocke des armes, et bien dans le travail de traçabilité, il y a
il y a des âmes, des compagnies de sécurité, ils ont même fait venir dans le pays, et malheureusement pour le pays, qu'ils joignent gang yo qui est un groupe criminel. Rebonjour tout le monde. Rebonjour Johnny, rebonjour tout le monde. Nous avons essayé de rentrer avec un reportage, ça, collaborateur nous, Jean-Georges Blaise, réalisé pour nous, qui gagnait pour eux. Avec famille, trois jeunes garçons Sayo qui étaient morts dans des conditions qui pas claires dans la localité Jasmin, c'est dans la commune Léogane. En tout cas, enterrement, ils ont chanté jour passé dans la commune Carrefour. D'après sa proche défunt, yo fait connaît, eh ben monsieur Sayo, c'est yon brigade qui était touillé yo et puis mettait du feu sous yo, sous cadavre yo, qui jeune garçon Sayo, qui yo même t'apral acheter yon motocyclette. Proche défunt yo rend l'état responsable incident ça ou bien tragédie ça à cause de pas gagner aucune disposition qui prend pour débloquer Grand Sud là. Nous pral suivre yon reportage avec un collaborateur nous, Jean-Georges Blaise. Souterrain Aztec là, zone Titus, commune Carrefour, pas de côté pour piquer épingle ak moun, surtout famille victime yo qui pat ka kembe de l'eau nan jeu yo pendant funérailles symboliques trois jeunes sa qui perdit la vie yo dans une condition qui pas clair dans localité Jasmin. Yon zone tout près les organes d'après témoignage yo. Woody Pierre, 26 l'année, Loubens Sena, 29 l'année et puis tout, Jackson Cheristal, 23 l'année, c'est non. Jeune Zayo, brigade touye, 4 octobre qui se passe là. Côté famille, pas de jambes jouent koryo d'après victime qui dénonce assassinat petit yo. Yon coup du pour toute communauté. Côté M. Sayo ta sorti, c'est une couette proche de fin qui a expliqué si constance la mort, 3 jeunes Zayo. Il y a 3 petits messieurs qui ont acheté moto Léogan, ils sont de tuer en l'air. Je dis oui. Est-ce que Loubens t'est fait en l'air? Je dis oui, Loubens t'est allé en l'air, mais l'elle t'a pas allé à l'pas d'im parce qu'elle m'a arrêté même côté avec elle. Moi là, quand même, elle m'a allé avec la vivre ensemble avec madame. Son brigade dans, en bas, chef qui font des brigades, messieurs qui font des brigades, elle est les dépales, c'est mon greffier, elle est un policier. Elle est les dépales, c'est lui qui font des brigades ça. Et quand elle fait qu'on est, si on ne pas voler, on ne pas habiter Carrefour, parce que Carrefour c'est voler seulement que c'est là-dedans. Des bons jeunes gars sont passés en l'air, ils tuent. Petit nous en bail passeport, permis de conduire, papier moto, carte d'identité. À tout ça, yo tire, yo prend cop là, sur le fini, yo tire, yo boule. Combien de copes de gens sur yo? Je sais pas combien de copes, non? A yo boule tout? Yo boule. Mal, en pile. Vous dites, c'est un petit jeune qui respecte tout le monde, respecte les gars, les petits monde. Respecte tout le monde. Vous dites, parti, et pas moi. Vous dites, oui, c'est pas malade, les malades de coucher, pour nous te battre, monter, un jour. On te dit petit ça t'es malade de coucher l'hôpital non t'es pensé là. Mais ça que la cause journée jeudi à qui arrive là, c'est m'a dit l'autre monde merci. M'a dit on seul monde merci simplement m'a dit d'état pays. Merci. C'est d'état pays qui la cause. Ou dit pas quitter nous. Et dans quartier côté des jeunes ça au sorti hein. C'est gros désolation. Dans mitan camarade victime yo qui considère Woody, Lubens, Jackson comme un modèle dans voisinage là. Et lumière t'a doué fait sous calan mosayo qui est inacceptable selon proche défunt qui pendant cérémonie pas de cacher colère. Comment t'as fait tuer trois jeunes garçons pour 35 000 $ pour tuer non seulement yo présenter pièces yo présenter tout ça que yo gagne comme identification malgré ça yo assassiné yo dans l'esprit que monsieur Sao c'est gang yo. Mon Aztec dit ça pas prêté comme ça, il pas prêté impuni. Parce que ça, c'est l'impunité, l'injustice et fuck justice jouen avec tous les trois monsieur Sayo qui disparaissent. Nous avons Loubens, nous avons Jackson, nous avons Woody, sans yon pas couler en vain. C'était même collé en tout, bon côté, l'autre militant dans Carrefour qui était venu rendre victime, yon dernier hommage tout. Mais Mario Dorismon pas allé ni par quatre chemins ou longe douette. Sous dirigeant dans l'État, Woody qui pas fait rien pour débloquer Grand Sud. On a demandé avec l'État central pour prendre responsabilité en tant que tel, pour capable bataille pour débloquer route Grand Sud
pour que la population Grand Sud la suspende victime. C'est dans l'occasion ça qui permet que trois petits jeunes ça yo yo mouri et yo brûlé yo jusqu'à présent famille yo pas joine cadavre pour que au moins yo capable rendre nos derniers hommages avec yo. Nous rend l'état responsable. Nous rend l'état responsable parce que c'est par rapport avec absence d'autorité de l'état un, et deuxièmement par rapport avec irresponsabilité autorité de l'état qui permettent que journée aujourd'hui en trois jeunes ça yo mouri dans une situation qui vraiment scrapileuse. Qui vraiment difficile côté que yo lagué environ trois familles pour ne pas dire toute communauté Kafoua là nan la peine. Et c'est pas seulement ti monsieur Sayo qui perdit la vie dans conditions qui pas clair dans limite Léogan là. Gen agent PNH tout qui pas épargné non plus en bas coup de balle à tout faire examen qu'a opéré sous la mer en tout. Côté ces bateaux qu'a passé trafic là dans transporter passagers par pile à paquet sans respecter normes et principes. Ça qui cause moun perdi la vie dans de l'eau pendant blocage Grand Sud là qui jusqu'à maintenant en bas contrôle que russe sans qu'on est qui l'est. La police a finalement repris contrôle situation. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Blaise, Caraïbes FM, journal créole, première occasion à poursuivre. Neuf moun dans conseil électoral présidentiel formulé ça, patap jom kabay résultat d'après apôtre Ebel Pierre. Évangéliste là expliqué. Oui. OK, évangéliste a expliqué division qui gagnait dans mitan deux branches exécutif là, c'est dit qui est la cause bilan catastrophique ça. Apôtre Belle Pierre souligné Haïti a fait face à une crise spirituelle, il a encouragé acteurs politiques qui prioriser intérêt pays. En côté apôtre Ebel qui était dans micro collaborateur nous Jean-Paul lundi. Pour monsieur politicien, n'a dit bien tout autant, pays a toujours appuyé sous diable, ni leader, ni bandit, y'a pas de faux pas. Aucun pays pas développé avec Satan vraiment. Tout pays sous la terre, tout le monde pas chrétien. Mais gens qui fait en Haïti sont le bagage. Tout politicien, le modèle de l'eau, moi y'a pas le bain dans Saint-Jacques là. Modèle de l'eau ça. Des bons noms bien là-dedans, bon sens ou pas, pas de bagage, c'est un cocaïen. Pas parler de la foi ou croyance ou non. Intellectuellement, socialement parlant, de vous n'êtes qu'à projeter dans le gros sommeil et bon sens ou pas là. Ça n'a pas fait pour nous. Et de vous n'êtes dans ça, ou ma conscience ou ma qu'à diriger le pays aussi. Et c'est là, bandit à l'un point, politicien à l'un point, mon équipe à directeur, président, la police à l'un point, Gali Bacha. M'a dit Haïti, Jésus qui a aidé. Si réellement nous voulons chercher aide. Pour politicien, on a dit, c'est mettre l'intérêt de côté. Puis gardez pas les routes nous prenons tout. Nous avons un monde mondial qui va national, qui va national. Dans tout bloc américain, c'est nous dans l'État ça. Avec un conseil présidentiel pour la première fois dans l'histoire, nous sommes les pays pauvres qui ont plus président. Ça, les gens qui ont honte de nous retirer comme là-dedans. Parce que nous voyons bien, il n'y a pas de résultat jusqu'à maintenant. Et le pape pas de résultat aussi. Il n'y a garanti pas de résultat. Formule ça, pape qui a pas de résultat parce qu'elle sortit dans la division. Il sortit dans un manque d'amour pour le peuple qui a souffert. Il sortit dans tout le couche de l'époucher. Et pour nous sortir là, c'est le peuple là, pour nous d'abord, c'est Haïti d'abord, et puis avec Dieu aussi. Si nous faisons force spirituelle, c'est Dieu. Si le diable, depuis 1804, 2024, 220 ans, nous ne pas sortir. Ça, nous ne pas à sortir de là. Après 220 années, nous ne pas baisser encore. Jacques, 220 années, des générations passées, c'est nous qui derrière, dans affaires éducation là, nous loin, dans affaires économie, dans social, développement, nous pas là-dedans, presque même, nous ne pas cabaye résultat dans le bail là. Nous besoin. Sauf que nous dit, pour ça, nous qui est tourné, nous pas dans politique. Nous pas dans politique, nous fait l'évangile et nous pour soulager le peuple ça, avec pour appel nous pour camper pour génération ça. Évangéliste, on te dit déjà, depuis le vivant, on te dit nous, en tant que papa nous dans la foi, père spirituel nous, parrain, mariage, moi, yon moi apprécié, puis il te dit nous, la politique avec l'église va m'aider. C'est que nous parler pour délivrer le pays, nous, mais moi-même, poser candidat, passer déjà, son élu de Dieu, papa le poser candidat, même prier, on va besoin, même pas tant prier pour nous, pour parler. À faire élection parce que nous sommes élus déjà. Dans le poste pour Dieu, mettez-nous à nous satisfaire là-dedans. Nous souhaitons que tout Haïtien capitaine de nous va prendre conscience des situations. Ce n'est pas parce qu'on bien qui fait
ou qu'à négliger la majorité qui a souffert. Souffrance voisin, là, si il n'est pas arrivé dans le corps, mais dans son oreille, il n'y a pas dormi. Ça concerne nous tous. Et n'a pas si là, on croit dans bon Dieu, mettez la foi, nous, dans bon Dieu, tout bon, faire l'évangile là sans mélange. Le journal créé. Attaque gang yo yon hélicoptère Nations Unies ak 3 membres équipage ensemble ak 15 l'autre passagers à Boli ta recevoir balle hier jeudi d'après plusieurs sources. Incident ça arrivé pendant hélicoptère ça t'a pas volé sous quartier gang yo contrôlé, n'a parlé de quartier Grand Ravine. Pas gagné aucun monde qui blessé. Hélicoptère là t'est atterri sans danger dans la capitale d'après Miami Herald. Attaque sa yo selon ambassadeur américain dans une interview avec Radio Métropole augmenté comme réponse à un changement de stratégie gouvernement attaquer bandit ak zamyo ça qui baï kè sauté pour possibilité pour ta annuler vol domestique à commercial yo. Et puis déranger service hélicoptère Nations Unies qui est essentiel pour délivrer aide humanitaire à la population qui bloquée à cause route nationale yo, qui en bas contrôle bandi yo. Gang Axamio attaqué deux machines ambassade américaine dans Port-au-Prince à côté au moins gen yon la dans machine yo dans machine blindé qui recevoir balle qui crasé yon dans vitli yo toujours d'après Miami Herald. Ambassade là pour coulier pareil pour évacuer yon parti dans employé diplomatique li yo encore à cause zak violence qui augmenté dernier jour sa yo. Porte-parole département d'État a confirmé deux machines blindées ambassade là té victime attaque gang Axamio yon nan yo recevoir balle. Pas gagné aucun monde qui blessé nan attaque ça toujours d'après Miami Herald. D'entre-temps, un pile monde qui habitait Tabar 27 Delma 24 ak Solino, yon quartier stratégique qui bay gang yo accès nan quelques zones nan capitale là obligé courir quitter la caillou à cause attaque répétée bandi vivant sans yo. Majorité monde qui déplacé yo ces femmes ti moun a grand monde mais en pile jeune garçon rete pour faire résistance pour empêcher bandi criminel yo prend contrôle quartier Solino. Et nous apprenons trois monde mouri parmi yo yon policier hier jeudi an ça arrivé dans quartier Solino. Victime yo mouri ak bal dans zone rue Langlade pendant échange coup d'armes entre la police nationale d'Haïti ak mam gang coalition Vive Ensemble yo. Situation toujours été compliquée dans quartier Solino ak Delma 24 depuis 17 octobre baséan après attaque répétée bandi ak zam yo k'ap chèche prend contrôle zone Sila. Et plus passé 10 000 moun déplacés dans la capitale là dans moins passé une semaine après attaque gang Axamio. Situation ça yo rivé dans Port-au-Prince Delma Tabar sorti 18 pour rivé 23 octobre passé d'après organisation internationale pour migration OIM précisé 8361 moun forcé déplacés dans Port-au-Prince avec Delma pendant li ajouté gagnent 1695 lots qui yo même déplacé dans Tabar. Caraïbe FM 44 minutes nous pral fonti parler quoi là avec ancien sénateur nord-estlan Jacques Sauveur Jean. Nous parler garder conjoncture politique crise sécuritaire avec ancien parlementaire là Jacques Sauveur Jean qui souligne avec nous. Jacques Sauveur Jean, bonjour et bienvenue sur Caraïbe FM. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à l'auditoire. Et comme d'habitude, à Fanatique Jacques Sauveur Jean qui est toujours en premier dans le monde. Bonjour. Wapi vive dans le pays, hein, sénateur Jacques Sauveur Jean, depuis après mandat là, ou fait choix arrêter dans le Nord-Est, mais quand même. Ou ap suivre tout ça qui a passé chez nan pays notamment en ce qui a trait à la situation sociopolitique et nous en bourbé nos crises là qui gagne en pile tête des monde qui dit le crise multiforme dans langage français et situation crise ça lui-même li pas amélioré de formule en formule ou gen comme l'impression que nous pour aller de bim en bim jusqu'à la bim finale. Je dis en là qui regard ou porté sous crise sociopolitique et haïtienne et sénateur Jacques Sauveur Jean. Merci pour question que vous posez. Mais nous avons une réponse qui
qui déjà baille. Parce que souvent, dans le bayo, nous avons bataille. Nous avons bataille, et là, on a bataille, pour les bagailles, pour qu'on ait, faut qu'on ait adversaire. Faut identifier adversaire, évaluer, regarder stratégie, et puis pour qu'on ait exactement qui vient, ou pas exactement avec lui, soit pour gagner, ou bien pour accepter perdu. Nous, en tant que première nation nègre des temps modernes, avons gros problèmes. Nous avons des adversaires que